Pendant toutes ces années, j'ai vraiment cru au Père Noël, j'ai vraiment cru en lui, mais il n'est jamais venu me donner les cadeaux exacts que j'ai demandé. Donc là, aujourd'hui, on le capture. Ça, c'est le Père Noël. Ho, ho, ho. Et après ça, je lui dis, Père Noël, assieds-toi. Yo tout le monde, je suis bien, on se rejoue pour une nouvelle vidéo. Oh, aujourd'hui, c'est Noël, donc là, joyeux Noël à tous, pour ceux qui fêtent Noël, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, j'ai l'intention de capture le Père Noël. Je vais l'attendre et je vais le capturer. Quand j'avais à peu près 14-15 ans, on m'avait dit que le Père Noël n'existait pas, tu vois. Et là, même si on m'avait dit ça, dans ma tête, je croyais que le Père Noël existait pour de vrai, tu vois. J'étais à fond dans le Père Noël, là. Donc là, j'ai attendu le 25, je me suis endormi, je me suis réveillé le matin, je suis allé voir en bas du sapin, il a rien mis. Il a pas mis les cadeaux que je lui ai demandé, il a rien mis. Donc là, j'étais terrassé, j'étais vraiment à terre, là. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de l'attendre. Et s'il vient, je le capture, frère. Je le capture et on va discuter. Donc là, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Like, abonne-toi. Et on y va, là. Tout le monde dort, là. Donc là, il faut pas que je fasse trop de bruit. Et là, je vais préparer la nourriture du Père Noël. Et je sais qu'il mange les biscuits au pipi de chocolat, mais on n'en a plus, là. Là, on a juste des petits biscuits au chocolat, là. Donc là, je pense que ça va faire l'affaire. De toute façon, cette année, je ne vais pas être gentil avec le Père Noël. C'est pas comme si je vais être gentil avec lui, frère. Je lui donne ce que j'ai, ok? J'ai pas de biscuits aux pépites de chocolat, Père Noël. Tu fais avec ça. Mais ça fait l'affaire, c'est juste qu'ils sont petits. C'est des biscuits aux pépites de chocolat, mais ils sont juste petits. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le lait aussi, frère. Il faut mettre le lait à côté parce que le Père Noël, il prend le lait. Voilà, à côté des biscuits, ça va être parfait, frère. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est les biscuits du Père Noël, les biscuits au chocolat. Ça, c'est son lait. Ça, c'est la porte d'entrée. Donc là, il va venir par ici. Il va venir ici. Il va aller sous le sapin, déposer les cadeaux. Et ensuite de ça, je vais l'attraper et on va discuter. Là, maintenant, il me manque quelque chose là pour pouvoir capturer le Père Noël. J'ai besoin d'une arme là. J'ai une idée, j'ai une idée. Je sais pas si vous voyez les deux lumières derrière moi là. Il y en a une qui fonctionne plus. Celle-là, elle fonctionne plus. Donc là, c'est ça que je vais utiliser pour pouvoir capturer le Père Noël. C'est l'arme que j'aurai sur moi, tu vois. C'est pas. On est tranquille, c'est pas dangereux, quand même, comme toi. C'est ça que je vais prendre. On y va pour notre arme du Père Noël. C'est dangereux ou pas? Merde! Oh my god, j'ai peur! Comment on fait ça? Imagine, ça me brûle, frère! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Évidemment, j'ai pas eu peur, c'est juste que j'ai sursauté au fait. Quand c'est tombé là, j'ai vu que ça allait tomber sur moi, tu vois, mais j'ai pas eu peur. Allez, vas-y, on repart au salon là et puis on continue quoi. Bon là, en vérité, tout est prêt là. Le lait du Père Noël, ses biscuits, mon arme, tout est prêt. Là, il faut juste qu'il arrive là. Et je sais pas à quelle heure il va venir. Là, je le vois même pas dans le ciel là. Il est même pas dans le ciel. À quelle heure il vient le Père Noël? Dites-moi dans les commentaires si vous savez à quelle heure il vient. Et quand il va passer la porte, prendre les biscuits et le lait, je vais le laisser entrer, venir en bas du sapin, déposer les cadeaux s'il y en a. Et là, je vais le frapper avec ça. Et là, je vais le capturer, je vais le faire asseoir sous le divan et puis on va discuter. Pendant toutes ces années là, tous les cadeaux que je lui ai demandé, pourquoi il m'a pas donné ces cadeaux là exactement, frère? Pendant toutes ces années, j'ai vraiment cru au Père Noël, j'ai vraiment cru en lui, mais il n'est jamais venu me donner les cadeaux exacts que j'ai demandé. Donc là, aujourd'hui, on le capture, frère, et on va parler avec lui, frère. Donc là, je l'attends, frère, toute la nuit, je l'attends. Et je me suis toujours posé la question, comment le Père Noël fait le tour du monde en quelques heures? Comment en 5-6 heures, il arrive à faire le tour du monde et déposer des cadeaux, frère? Une année, là, j'ai demandé un iPhone, il ne m'a pas donné d'iPhone. J'ai demandé... Une année, j'ai demandé au Père Noël un iPhone, il m'a donné un livre. J'ai eu un livre pour Noël, frère. Il y a 2-3 ans, j'ai eu un livre pour Noël, frère. Et je rigole pas, hein. Non, j'ai vraiment eu un livre pour Noël. Frère. Un livre gros comme ça, là, on m'a dit de lire. Hé, hey, cette année, frère, Père Noël, on va parler, frère. On va parler, frère. On va parler. Moi, je suis prêt, là. Je suis vraiment prêt, là. Ça fait déjà quelques minutes que j'attends, là, et je commence à perdre patience, là. Il ne faut que je ne casse rien parce que tout le monde dort là. Si je casse quelque chose, tout le monde se réveille. Ils vont venir me voir comme ça, frère. Et je vais aller voir le Père Noël. C'est moi qui vais rejoindre le Père Noël dans le ciel là. Si je réveille toute la famille comme ça. Et je vais vous montrer le parcours du Père Noël. Il va rentrer par la porte. Il va voir les biscuits et le lait. Vas-y, j'en prends un là. Mmh, Père Noël. Mmh. En plus, c'est sa photo, ça. Il est là, il va rentrer, il va se voir, il va dire « Ho, 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 c'est tu là ?» Et après ça, le Père Noël, il va marcher de la porte jusqu'au sapin avec son sac comme ça. Et
pu moi, je serais comme ça derrière le sapin avec mon bâton. Il va pas le savoir. Et j'ai sauté sur lui comme ça. Ça, c'est moi, ok? Ça, c'est le Père Noël. Ho, ho, ho. Et après ça, je lui dis, Père Noël, assieds-toi. Et après ça, quand il va s'asseoir, c'est là qu'on va commencer à discuter et à parler des cadeaux qu'il m'a pas donné durant toutes ces années. Et là, ça commence à, se faire tard, là, frère. Et quand il va venir, là? Là, je commence à croire qu'il n'existe vraiment pas, là. Et je crois en lui, frère. Vas-y, viens. Ça fait déjà plus de 30 minutes que j'attends. Rien encore, frère. Je commence déjà à fatiguer, là, frère. Père Noël. Père Noël, Père Noël, qui descend du ciel. Viens chez moi que je te capture et on va discuter. Hey, Père Noël, Père Noël, viens chez moi, s'il te plaît. Je te capture, on va parler, tu me donnes tous mes cadeaux. C'est stylé ou pas? Dites-moi dans les commentaires, c'est stylé. Non, hey, what the fuck? Je ressemble à une reine, là, non? C'est pas stylé, non, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ça me fait penser à Saint-Charles. Comme ça, là. On dirait dans les films, là, vous voyez le gars qui est à l'école, qui fait du skateboard, là. Il a toujours un chapeau comme ça, là. C'est juste qu'il tombe comme ça. Ouais, ça dit quoi? Et le Père Noël n'est pas encore venu, donc là, je vais prendre ses biscuits, frère. Fais pas de mon temps, là, j'en prends juste un peu, ok? Pas beaucoup. Je vais prendre un peu de lait aussi, juste un peu de lait, ok? C'est caillé? C'est resté là quelques minutes. C'est caillé? En vrai, c'est pas bon, frère. Ça fait genre 40 minutes que c'est là, frère. C'est pas caillé, c'est pas gâté. Mais non. Mais non. Ouais, le Père Noël, il va boire ça, frère. Il va boire ça. Oh. Et j'ai l'impression que c'était caillé. Et les gars, si le Père Noël vient pas, je vais sortir, frère. Je vais aller le chercher. Là, je l'attends, ça fait des heures, je l'attends, j'ai tout préparé. Et y a rien, frère. Il est 3h du matin, là, actuellement, regardez mes yeux. Là, je suis déterre, là. Je suis déterre avec le Père Noël, là. Genre, je rigole pas. Mais il se pointe pas, ça, le truc. Il se pointe pas. Il se pointe pas, frère. Je vais sortir s'il vient pas. C'est la seule solution. Et vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça ou pas? Et la fille, j'ai entendu ho! Et s'il est là, frère, Père Noël, capturé, frère. Je prends tous les sacs et tous les cadeaux, je vais les prendre. Et je le dis, je le redis, c'est bon. Mais là, toutes ces années où il ne m'a pas donné ce que je voulais, ces années-là vont être récompensées aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais je suis sûr d'avoir entendu un haut là, j'hallucine pas. Je rêve pas là. Je suis pas fou quand même. On est en haut. Là, tout le monde est en train de dormir comme je l'ai déjà dit. Et je vais sortir pour aller voir si le Père Noël est là. Donc là, il faut que j'ouvre la porte doucement pour ne réveiller personne. Parce que si on me voit sortir, je suis fini. Il est où le putain de Père Noël, frère? Il est où? Où est son putain de traîneau? Il est où? A few moments later. Là, je vais rentrer chez moi, là. J'ai tout essayé. Il est 3h, bientôt 4h du matin. J'attends le Père Noël. Toujours rien. Toujours rien. Il était pas là, j'entendais pas. J'entendais pas. Oh, c'est sûrement ma daronne. Oh. Oh, c'est ma daronne. Oh, c'est ma daronne est réveillée.